Des GNF fabriquent des sous-marins, notamment à propulsion nucléaire, et notamment lanceurs de missiles à tête nucléaire M51, en violation du traité de non-prolifération. Des CNF fabriquent aussi des éléments de réacteurs EPR pour Areva. Des CNF prétend investir dans les énergies renouvelables marines, pour lesquelles les collectivités locales, conseil régional des pays noirs, Conseil général Loire-Atlantique, Nantes Métropole, Carême, ont octroyé de l'argent public. Paul Conditi et ENC2, Institut de recherche technologique du Verne, Technocampus OCE. Pourtant, c'est un concept de centrale nucléaire sous-marine nommée FlexBlue que DCNF a dévoilé en janvier 2011 et sur lequel l'entreprise travaille depuis 2 ans et demi dans le plus grand secret. Pour attirer cet argent des collectivités, il n'est pas sûr que ce soit ce concept de centrale nucléaire sous-marine que DCNF ait mis en avant, mais plutôt la promesse d'énergie renouvelable marine. Cela nous rappelle le commissariat à l'énergie atomique des années 70, prétendument en avance sur le solaire, ou les éoliennes de Mont Areva. De tout cela, on sait qu'il n'en est rien aujourd'hui. Un retard français considérable et quasiment zéro industriel français dans ces domaines. Nous exigeons que les collectivités locales examinent à la loupe la destination de leurs subventions. Celles-ci ne doivent pas servir ni au nucléaire militaire, ni au nucléaire civil, ni aux énergies fossiles, sous le prétexte de financer les énergies renouvelables. Police, they are coming and they're taking the banners away. Hey!